The sky is crying. In Belgium, it's raining. Vous faites quoi, vous, quand il pleut? Moi, perso, quand il pleut comme ça, et en plus le dimanche, j'adore me mettre sous la couverture. Et j'adore me mater un petit film, tu vois. Je ferme les tentures ou je ferme le Velux. Et comme ça, on entend juste l'eau tic tic. Oh, oh, mais oh. Donc voilà, on entend tic 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 tic. Voilà. C'est tout. Bon dimanche à tous. What do you do, guys, when it's raining outside? Let me know. Personally, I really like watching Netflix under the blankets and hearing the sound of the rain. Ici, des enfants qui ont été enlevés par cette sorcière. Okay. Et donc, le soir d'Halloween, on décide d'aller la tuer. Et donc, on se retrouve dans cette forêt où on danse. Musique. Cette fois-ci, c'est un véritable court-métrage. L'artiste nous propose une histoire d'Halloween comme Loïc Notel les adore, c'est-à-dire terrifiante à souhait. C'est pas que de la danse, c'est que de la musique, il y a vraiment des dialogues aussi de temps en temps. Donc voilà, on va habiller ça encore musicalement parlant. Donc voilà, c'est vraiment comme un film. Le même développement en fait artistique, c'est exactement comme un film au cinéma. Voilà, mais c'est trop excitant quoi. Le chanteur, compositeur et danseur très impliqué dans le projet n'hésite pas à se coiffer de la casquette de réalisateur, mais aussi de celle du coach sportif qui dynamise les troupes. On descend seul, on remonte. Hop là. On avait quand même froid, là on s'est réchauffé tous ensemble, on rigole. Et vu que c'est un truc où on doit se concentrer, mais on doit s'amuser aussi, c'est important de ne pas perdre le fun. Quoi. Donc, et c'est une très grosse scène que vous allez tourner maintenant. Ouais. Attentivement. Allez, je vais sûrement me planter, je crois que les docs non, mais bon. Bonne chance. Voilà, merci beaucoup. Un clip à visionner sans modération sur tous vos écrans à Halloween.